donc on s'entend pour une nouvelle vidéo hors série. Alors tout simplement, l'Aquariofish a nominé 3 personnes, j'en faisais partie, et j'ai été nominé pour répondre à 10 questions sur l'aquariophilie. Alors juste avant de débuter, il faut que je précise, moi je suis pas vraiment dans l'aquariophilie. Je préfère un peu tout ce qui est vraiment aquariophilie plutôt sauvage, donc poisson rouge et étang, mare, etc. etc. Donc quand je vais parler plutôt d'aquariophilie, je parlerai plutôt de ce milieu que vraiment aquarium avec poissons tropicaux, etc. etc. Donc la première question, pourquoi j'ai débuté l'aquariophilie? Alors j'ai toujours aimé en fait les poissons et la nature. J'ai toujours adoré les mares et ça m'a inspiré. J'ai toujours eu envie de faire des vidéos dessus, de faire découvrir aux gens justement ce qu'on peut trouver dans une mare, tous les petits insectes. Et là comme c'est aquariophilie, ça va être plutôt tout ce qui est poisson, donc élevage de carpes, élevage de poissons rouges, épinoches, perches, etc., etc. Deuxième question, quel poisson je voudrais avoir? Ça c'est difficile, il y en a tellement. Mais j'ai quelques préférences. Je voudrais bien avoir, c'est un bac à brochet. Sachant que un brochet, ça grandit vraiment très vite, il me faudrait quasiment un bac aussi grand que ma mare, donc ça va être très dur à avoir. Donc après, sinon, ce que je voudrais bien, c'est un silure glane. Et là, pareil, malheureusement, le silure, ça peut être ultra intéressant à regarder parce que ça mange tout et tout. Enfin, je trouve ça vraiment fascinant. Mais le problème, c'est que le silure peut atteindre, parfois, j'ai bien dit, hein, plus de 4 mètres de long. C'est vraiment très rare dans la nature. Généralement, il atteint 1 mètre, 2 mètres. Et donc, je vous explique pas la taille du bac. Et sinon, le poisson qui serait vraiment un peu plus probable que je pourrais avoir et qui me donne vraiment envie, c'est l'anguille. L'anguille, franchement, je trouve ça super. C'est ça ressemble à un petit serpent aquatique et pourtant, bah, c'est pas un serpent. Quoi. Et franchement, ça a l'air super d'en avoir dans un bac et ça doit être super intéressant à regarder. C'est nocturne, donc bon, le problème, les anguilles, ça migre. Donc tu peux pas vraiment les garder dans un bac. Ils doivent partir un moment pour la mer, en mer pour se reproduire, donc tu peux pas les garder dans un bac. Alors, combien j'ai d'aquariums? Pour du vrai, des aquariums, j'en ai un. Je vous le montre tout de suite. Alors, ici, j'ai le bac à crevettes. Après, j'ai aussi pas mal de mares. Alors, les mares, je les considère un peu comme des aquariums géants, parce qu'il existe totalement un écosystème qui va vivre dedans, et il y a plein de poissons. Donc, je vous montre à peu près toutes mes mares, c'est parti. Donc voilà, la première mare que j'ai creusée, c'est l'ancienne mare. Bon, là, ça fait un plan vert de l'antido, je vais devoir en enlever. Donc, évidemment, la grande mare. C'est là que je passe le plus clair de mon temps et c'est là vraiment que j'étudie le plus la vie aquatique. Donc le bac à perche, où là il y a deux petites perches. Ici c'est juste des laitues d'eau que je vends sur le bon coin. Et ici il y a quelques alevins de poissons rouges et tout plein de plantes aussi que je ne veux plus. Ou que j'ai en trop. Ensuite il y a le poubellarium, donc là il y a quelques poissons rouges au fond, je crois qu'il doit en avoir 3. Et là aussi j'ai mis des laitues d'eau, comme ça oxygène un peu. Et enfin la mare un peu plus récente que les autres. Et dedans il y a quelques épinoches et j'ai mis un joli nénuphar au milieu. Et là aussi il commence à y avoir trop de lentilles d'eau, je vais devoir en enlever. Alors combien d'espèces ai-je? Alors ça c'est une très bonne question, on me la pose assez souvent. Alors j'ai carassin, poisson rouge, plusieurs espèces de poissons rouges, mais là je vais pas aller trop loin dans ce sujet. Épinoche, goujon. Petite limnée, grande limnée, et après, comme c'est une mare, il y a plein d'autres espèces qui arrivent, telles des grenouilles, des crapauds, etc., etc. Sans oublier les crevettes, tortues, tritons, et après, le problème des espèces aquatiques, c'est que quelquefois ça va varier. Quelquefois, il y a même des poissons, vous ne savez pas d'où ils viennent, et ils arrivent comme ça, par les oiseaux, etc. Et il y a aussi, j'ai aussi dans le bac à perches, il y a des perches. Cinquième question. Quelle est la pire expérience aquariophilie que j'ai eue? Alors c'est très simple, vous pouvez encore la voir sur cette chaîne YouTube. C'est le titre, je crois, c'est « Je refais entièrement l'aquarium sauf les poissons ». Et là, ça a vraiment été ma pire erreur. J'avais mis des danios et un pléco dans un tout petit 30 litres, je sais plus trop quoi. Et bon, vous avez été beaucoup à l'avoir remarqué, je m'étais excusé, j'avais fait une autre vidéo pour m'excuser du truc et tout. Et ça, ça a vraiment été, je pense, ma pire expérience d'aquariophilie. Nouvelle question, pourquoi l'aquariophilie? Alors moi je ne suis pas vraiment spécialiste dans l'aquariophilie, hein. Comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, je fais plein d'autres choses. Les poissons, c'est une sorte de catégorie dans ma chaîne, et je fais pas ça spécifiquement, mais j'aime bien quand même faire de temps en temps un petit coup de pêche, un petit coup de bac à poissons, etc., etc. Autre question, quel est mon budget en aquario? Alors moi ça va, hein, parce que comme j'ai que des crevettes, nourriture, niveau nourriture ça va, mais après j'ai quand
comme j'ai pas mal de marge, j'ai beaucoup de poissons, d'espèces, parce que les perches, comme c'est carnivore, il faut que je leur donne à manger, donc je leur donne des vers de terre et tout. Et cette fois, j'ai pas le temps de creuser, donc je suis obligé d'aller acheter des insectes en animalerie. Pareil pour les poissons. Bon, les poissons rouges, encore ça va pour les nourrir, car tout simplement, j'achète d'énormes paquets de nourriture en promo. Et même par exemple, là, j'ai fait du troc avec un magasin. Comme ça, bah, ça me suffit amplement pour plusieurs années. Donc franchement, budget aquario, ça s'élève pas moins de 15€ par mois. Donc franchement, sur ce point, ça va. Huitième question, pourquoi, quel temps je consacre à l'aquario? Donc à peu près le temps, comme là j'ai pas mal de poissons et de bêtes, je trouve ça à peu près par jour, 30 à 1 heure pour les nourrir, pour enlever des plantes, pour vendre des plantes comme des lilies parce que j'en ai beaucoup trop. Et ça va dépendre, mais le plus généralement c'est bien 30 minutes, 1 heure. Neuvième question. Quels sont mes futurs projets? Alors là j'en ai plein, faut savoir que j'ai déjà 9 vidéos tournées, 9 vidéos montées, il n'y a plus qu'à les publier. Et en fait faut savoir qu'il y a un gros décalage entre ce que vous voyez et le temps que j'ai tourné. Et en fait j'ai plein d'idées de vidéos. Après un gros, vraiment gros projet, j'en ai plus trop parce que j'ai fait celui d'un abonné une plante qui m'a déjà pris pas mal de temps. Mais après j'ai pas mal de choses, je vais essayer de trouver une vidéo pour les 300 et 200 abonnés parce que j'en ai pas fait tout simplement. Il va falloir que j'en fasse une. Et sinon gros projet, non pour l'instant il n'y a pas trop. Sauf que faut savoir que comme ça va bientôt être la rentrée, je vais pas avoir le temps de refaire de nouvelles vidéos. Donc là c'est les vacances, j'en profite à fond. Je fais 5 vidéos par jour et je mettrai pendant l'année scolaire une vidéo par semaine. Ça, je serai tranquille, je vais pouvoir me consacrer à mes études et comme ça ma chaîne fonctionnera toujours. Voilà. Et dernière question, quel est pour moi l'aquarium idéal? Alors franchement, en aquarium, je m'y connais pas trop, j'ai pas trop d'idées. Mais par contre, je change un peu la question, s'il y aurait une mare idéale pour moi, ce serait tout simplement assez grande, pas très profonde, l'eau transparente, avec un petit pont en bois dessus, avec quelques plantes, des arbustes, des petits arbres japonais et tout. Et dedans, des carpes-coeils, des anguilles et d'autres poissons. Et ça, je trouverais vraiment ça magnifique. Alors là, par contre, il n'y aura pas d'écosystème. Et après, juste à côté, j'en ferai une autre, vraiment sans rien dedans, que des plantes aquatiques pour avoir justement un écosystème qui va se créer. Et ça, pour moi, ce serait vraiment la mare idéale. Après, en aquarium, franchement, j'ai pas trop d'idées. Un bel aquarium bien planté avec des poissons qui sortent un peu de l'ordinaire, tels tétraodon ou des petites anguilles. Ça, franchement, ce serait un aquarium idéal pour moi. Donc voilà, j'ai relevé un peu le défi. Enfin, c'était pas vraiment un défi, mais de l'aquariophile. Donc voilà, c'était assez marrant de tourner cette vidéo. Donc voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Franchement, je le remercie. Allez voir sa chaîne. De toute façon, il est quand même assez connu dans ce milieu. Mais si vous ne la connaissez pas, allez la voir. Donc franchement, c'était super de faire une petite vidéo comme ça, sympa. Donc voilà, des commentaires, de liker, abonnez-vous, etc. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut !